gagne une boîte de TP5. Non, avant. Oui. Une shot de plus droit, un peu slicé. Plein bois. Ta voiture à combien de mètres là? Mais non. Ah, c'est ça. C'est très stylé, hein. Hein, franchement. Non mais regarde ça. Qui a un château dans son golf? Qui a un château avec des statues? Une grande allée avec plein de statues. Ah, tu dis pas le mur, on va faire une grande allée avec plein de statues. Qu'on appellera la grande allée avec plein de statues. Ok. Aujourd'hui, c'est programme en faveur de l'African Golf Tour. C'est une association créée en 2009-2010 pour promouvoir et aider au développement du golf en Afrique. Dans tous les cas, ça, on va demander à quelques intervenants de nous en glisser quelques mots en plus. Ils le présenteront mieux que nous, ça c'est sûr. En tout cas, voilà, on a été gentiment invité par Thomas Levé, qu'on a croisé en fait ce week-end à Saint-Cloud. Et donc, on va essayer d'aller le voir, de lui parler un petit peu. Et il faut qu'on trouve une voiturette avant que tout le monde en prenne une. C'est ça. Il recommence à faire froid un peu là, non? Non mais regardez cette gueule. Le mec il met casquette capuche. Ah ouais, on se dit bien, mais faut bientôt ressortir les bonnets là. Si on touche un green, on fait une longueur. Non mais tu sais que c'est long là, c'est deux fois une piscine olympique là. T'as 100 mètres là. Non mais c'est surtout qu'il y a ça comme truc. Ah tu veux dire, tu cours dedans? Je pense pas qu'on ait le droit, mais ça serait marrant quand même. On est un petit peu en retard comme d'habitude. On a le temps de taper 5 balles, donc forcément qu'est-ce qu'on va taper? Non mais c'est complètement con ce qu'on va faire Tom là. Ne faites pas ce qu'on nous sommes en train de réaliser. Huch. Putain. Eh hey, mais ne t'échauffe pas avant un parcours Tom. J'ai jamais mis un drive aussi droit de ma vie. Vas-y, essaye de faire un cut, parce qu'il va falloir en faire quelques-uns. Mais non, lui c'est des cuts pour... Ah ouais, c'est vrai. Donc toi c'est bon, tes hooks sont bons en fait. Regarde ça. C'est incroyable ça. On reste là-dessus, non? C'est bon, allez. On n'a jamais aussi bien tapé le drive. C'est bien sur un parcours qui ne sert absolument rien. Sur ce U-Golf Rochefort, si vous jouez tout seul et que vous voulez scorer, ça... Ça ne sert à rien. Ouais, à rien. Ouais, c'est vrai. Enfin, non, franchement. Si tu le tapes. Ah oui, bah si t'es deux d'index, ok, d'accord. Mais bon. Est-ce qu'un mec du tour. Est-ce que vous êtes deux d'index? Non. Est-ce qu'un mec du tour sort le driver sur ce trou? Sur ce parcours. Je sais pas, bah, on demandera à Thomas Levé. Est-ce que si lui. On lui demandera. Bah vous le verrez de toute façon. Le clubhouse et toute la vue, incroyable. Donc, on vous l'a peut-être dit juste avant, mais en fait, on l'a déjà joué hier. On vous met une petite photo là, on l'a joué avec l'ami Lefty, donc gros big up à toi. C'était énorme de te revoir. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était très, très, très serré. Donc, le driver, normalement, c'est non. Mais pour nous, on va voir. Je m'attendais à que tu dises c'est oui, mais. Bienvenue à cette nouvelle édition de l'African Golf Tour. Tom, t'expliques? La formule de jeu, ce qu'on avait en idée, en tête. Enfin, la formule du jeu, c'est du shamble. Du shamble. Donc en gros, on prend le meilleur départ. Ouais. On va essayer d'avoir une balle en piste. Et si on a une balle en piste, nous, on essaye de se déchirer. Nous, on est des jeunes. Impossible. Ah ouais, il n'y a pas de souci. Ouais. On est en fait, dans la chaîne, on est connu pour taper loin, mais pas très bien. Mais... On est capable de taper de temps en temps, voilà. De temps en temps sur un malentendu. Sur un malentendu, t'as une balle qui part. Ouais. Voilà, donc en fait, on est accompagné par TaylorMade.
Alors l'avantage ici, c'est que donc apparemment il y a des bois. Donc ce qui va être bien, c'est que les balles des fois prennent parfois un tronc. Reviennent. C'est ça. Un tronc, elles reviennent. C'est ça. Après c'est 80% de d'air. Pour nous c'était pas comme ça. Mais donc ouais, voilà, on va essayer de placer. Et une fois qu'il y en a une qui est placée, parce que faudrait mettre des coups de fer ou truc. Mais s'il y en a une, franchement on y va. Parce qu'il y a des courbes à prendre qui pourront vraiment être avantageuses pour après chercher un par 52. Mais il y a certains par 5. Alors moi, ouais, comme vous le connaissez, moi, s'il y a des courbes, moi j'aime bien les courbes. Hein. Ouais. Okay. Donc moi, s'il faut la lever au-dessus d'un arbre au drive à 40 mètres de hauteur et qu'il faut la faire tourner à droite, bon, ouais, comme vous, hein, ça peut accrocher, mais si ça passe, ça passe. Quoi. Ouais. Ok. Ouais. Et ben, c'est l'idée. Salut, salut. Comment ça va? Ça va. Tu vois, attends, ton prénom, excuse-moi encore. Alors, c'est David. David. Ok. Ouais. Et ben, David qui est du coup le fils de l'organisateur. Donc, c'est cool de t'avoir avec nous. On va pouvoir poser quelques questions. Tu connais toute la vie de l'association. Bah... Fais gaffe, sinon ton père te défonce. on va dire un petit peu. Oui, voilà. Moi, j'ai arrêté le driver et mon plus long drive, c'était 325. Ah oui, ça commence à arrêter mes départs au fait 4. Et avec mon fait 4, je fais à peu près 260, 270, 280. Pardon ? Avec mon fait 4. Bon, ne mettez pas trop la pression. Parce que, non, mais en fait, le but, c'est qu'on va quand même. Il faut qu'il y en ait une en jeu. Mm-hmm. S'il y en a une en jeu, on le déchire. Tu vois ? On essaye. Ah, ok. Ok. Attends, Tom. Donc, on commence tout de suite, on dit merci TaylorMade. Parce que là, on va en perdre quelques-unes sur le parcours. On leur a filé un coup de fil ce matin, on a dit écoutez, on est déjà désolé. Va falloir que vous nous envoyez 2-3 boîtes parce que là, on risque de perdre quelques balles. On va mettre un compteur de balles TaylorMade perdues en haut à droite de l'écran. Pour voir le nombre de balles. Mais après, hier, ça a tapé quand même quelques arbres et on les a retrouvés. Hein. On les a retrouvés. Les petits Strixon, oh c'est beau ça. Ouais, t'as vu. Ça c'est beau. C'est quoi? Ils vous ont pas donné ou pas? Si on en a, ouais. on les jouera peut-être, okay. C'est avec le logo de l'African Golf Tour. Les gars, il n'y a pas encore eu de all-in-one sur la chaîne. Ah ouais, il n'y en a pas encore eu un seul en 2 ans et demi. Ce serait bien que ce serait. Et pourtant, on a joué avec des très bons joueurs, hein. On a joué avec Romain Langasque, on a joué avec tout ça. Mais pas encore, donc si vous êtes chaud, allez-y. Ah bon, c'est déjà ça. Ça fait déjà 3. Tu joues depuis tout petit? Non, je jouais au foot avant. Ok. Surtout au foot. Ok. Voilà, centre de formation du PSG. Ok, cool. Voilà, et puis un genou défaillant. Aïe. Et donc je me suis dit, bah de toute façon, c'est le foot, je pense que j'irai pas loin, donc j'ai arrêté. Et donc le golf. Allez, green. Ça peut être très bien ça. Faut pas qu'on sorte les bons coups tous en même temps là. Faut en garder pour plus tard. Hein. Donc Luc vient de sortir un tee avec 3 emballages de sneakers, un Twix et... Ouais, elle s'échappe un peu, dommage. Mais elle est là aussi. Hein. 4 balles sur le green, c'est solide Luc. C'est en ce particulier, il veut faire du draw. What? Oh! Allez, vas-y! Ah bon. Vas-y! Oh. Donc la rosée, ça va être court. Ah non, c'est pas court! À mon avis, c'est droit. Hein. Allez. À droite. Ah, dommage. Mais c'est solide tout ça. Allez, on commence avec un petit par. C'est solide. Trou numéro 4. C'est un par 4 de 340 mètres. Non. Bah si, ça peut être très bien ça. Ah ouais. Ah, elle est parfaite. Allez. Ça peut aller loin. Hein. Là, je l'ai vu rebondir, elle a traversé. Mais elle sera dans les arbres. Ouah. Bah, le droit est parvenu. Ouf. Si ça reste.
C'était bien touché quand même, ça, Tom. Ouais, c'était bien. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que vu qu'on a la voiturette, on va pouvoir faire le repérage un peu de laquelle est la mienne. On va faire. Alors, vous savez quoi, ouais, ça vient de nous arriver. Ça vient de nous venir à l'idée. Le commentaire qui va nous faire le plus rire. Ah, mais ça, c'est dur à choisir. Ouais, c'est dur, c'est dur. On choisira un commentaire. Non, non, le commentaire qui a le plus de likes, le commentaire qui a le plus de likes gagne une boîte de TP5. Pix. Pix. Allez, go, allez, sorti. Première balle trouvée. Putain, mais elle est immense. Il reste 50 mètres même pas au green là. Tu vas aller voir vite fait ta balle si tu la trouves. Ouais, vas-y, ouais. De toute façon, on a le temps. Merci TaylorMade, mais tant que je peux retrouver une balle, je vais quand même la chercher, tu vois. On the tee from France. Thomas Levay. First on the tee, representing Europe, Thomas Levay. Ah bah non. Là en fait c'était André Agassi, passing shot de coup droit un peu slicé, plein bois. Allez, 73. Allez, vol. Hauteur à droite. Là. Aïe aïe aïe. Ça peut être incroyable. C'est long. Et il y a un bac derrière. Waouh, et là je sais pas comment je vais faire. Tu peux pas faire beaucoup mieux, je crois, j'ai l'impression. Cool. Tu sais qu'il y a un coup rendu là-dessus? Avance. Oui. Elle a pas voulu hein, jusqu'au bout. Hein. J'ai cru que... Bien Tom. Allez, bien joué. Beau birdie. Dommage. Bon, elle est là, non, elle est là. Au cas où. Tu peux, je pense, faire 5. Ou petit drive. Parce que celle de Davy, elle est là, c'est comme tu veux. Ouais, parce que moi le faire 5, je sais pas si. Il faudra quand même qu'on se ressente. Tu mets un petit drive. T'en profites pour le mettre en rythme, vraiment. Je crois qu'il y a ravitaillement sur le parcours. C'est vrai? Ouais. Oh, génial, j'adore les proms. Il mange, il aime bien les proms. Allez, pense pas technique, juste en voilà là-bas. Quand tu refuses l'impact, tu vas, je sais pas pourquoi. Ouais, tu prends. J'ai voulu la jouer trop cool et, ouais. et en fait là, tu vas à gauche. C'est le trou du concours en plus. Hein? C'est le trou du concours. Ah! Non? Si. Du long drive? Ouais. C'est le combien ici? C'est le 6. C'est le 5. Ah! Bien. Elle est revenue. Tu crois? Elle est revenue. C'est vrai? Ouais. Du coup, pas merci TaylorMade. Tu l'as boité? Je suis pas sûr, mais je crois qu'elle est dans le trou parce que j'ai entendu un son. Oh, j'ai entendu un son aussi. Bah, va regarder. Bah, je vais regarder. Ouais, c'est... Mais attends, quoi? T'as boité à combien de mètres là? 160. Mais non! Elle est là? Mais non! Incroyable! Le mec a boité à 160 mètres! Oh, 160 mètres! Eh bah, félicitations! Pas trouvé? Donc c'est 2. Une, parce que je l'ai retrouvé la première. Ah ouais, bien joué. 190. Ah, il y a 190? 195 entrées. Ah, ça y ira, ça. On va pas atteindre les yop. Elle est tombée. Elle est tombée, c'est bon. Allez, vol, tout ce que t'as. Ah ben vol surtout. C'est bon. Belle balle, t'es sur le green. Ça peut être pas mal hein. Pas mal. Enfin, on a deux chances pour Bird. Oh t'es presque donné Tom. T'as Tom, il va faire la game toute seule. Tu fais Bird là du coup? Bah si je rentre. Si tu rentres, ouais. Ah désolé, c'est moi qui... Vas-y David, si t'es prêt. T'as un peu de pour birdie aussi là?
Ouais, solide, putain. Bien. Ouais, bien, beau birdie. Bravo. Super. Allez, on continue. Ouh, le petit zoom qui va être sympa là. Elle est parfaite. Merci Davy. On peut y aller. On aura un wedge. Je pense qu'on a une bonne petite équipe là. Ouais. Elle est passée. Elle a été ralentie, je pense, par les petites branches là. Non mais la drive, hein. Pff, tranquille. Trouve une sensation, un truc pour que... Ouais, pas faire en mode trop tranquille pour... Ouais, voilà. Fais gaffe à ton alignement. Là, je m'aligne sur le green, d'accord. Ouais, sur le tronc en face là. Le gros arbre. Reste là. Mais méga ouverte, il ferme pas la face. Ah. Elle est en jeu. Ouais, c'est la première fois que je vois faire ça au drive. C'est la pire des choses pour avoir confiance au drive après. Ah ouais, là t'es pas bien après ça. 115. C'est très bien ça, non? Ah, superbe. Ouais. Oh, ça peut être bien ça aussi. T'as pris quoi toi? 40. Eh ben on verra. Et par contre, Tom, qui? T'as des quoi comme numéro? Je sais pas. T'es de gros con. Je sais pas. C'est pas de ma faute hein. Là c'est de ta faute. Bah pourquoi? Parce que t'aurais parce pu que la marquer. Parce que tu prends une nouvelle balle. T'aurais pu la marquer. Mais je pense que je suis plus proche que toi. Mmh. Là elle était incroyable. Je sais pas, la tienne était incroyable aussi. Elle était bien la mienne aussi. Hein. J'espère que les deux sont là quoi. Oh ah, je sais pas. Moi je pense que la tienne elle a tourné. La tienne était un peu plus à gauche que la mienne je crois. Donc la tienne doit être un peu plus proche. On va voir un truc. Moi elle vient d'être utilisée. Hein. Ouais, je pense aussi. Elle a plusieurs marques de shot. Bon bah bien joué Tom. Non mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en revanche là? Ah, par contre là tu joues solide hein. Tu joues hyper solide. Attends, pause. Oh c'est bien. Stop. Boîte. Oh punaise. Avance. Ouais c'était ça. Plus. Mais non c'était ça mais avec... Ouais c'était vraiment ça. Mais joli part. Il a un coup ou pas? Oui il a un coup. Oh joli. David aussi. Oh, la petite virgule. Dommage Tom. Ah dommage, le plan il aurait été incroyable. Tu gâches les plans Tom. Bon, continue à avoir des opportunités de birdie pour pouvoir en refaire d'autres. On est au 7 là. Hein. Combien des jaunes? Oh, dommage. Ah, dommage. Ouh, envie de forcer. Ah. Mid drive. Mets un drive que tu joues en rythme. Ça va, ça ira. C'est bon, elle est là. C'est bien, Luc. Bien joué. Merci. Ouf. Si elle passe au-dessus. Chut. J'ai rien entendu. Hein. Ça s'ouvre peut-être là-bas. Hein. On va aller voir. Bon, tu l'as pas accéléré, donc c'est peut-être 250 ou 240 carry. Ouais, 250 carry. Non, green, non, je pense pas parce qu'il l'a. Mais par contre, un petit chip. En fait, au début, je pensais que ça allait être complètement con, cette formule de jeu pour notre driving, qui est quand même un peu dans le mal en ce moment. Je pense que c'est un bon entraînement. Je pense que c'est un bon entraînement. Parce que on ne se déchire pas non plus. Non, on est frères, non. Tu veux pas. On va voir la mienne. Mais, ah oui, tu peux passer par là. Là-bas. Non. C'est une balle, je crois que c'est une balle. C'est une balle. Vous avez là? Oh là là, mais le mec, il est en feu! Il est en feu! T'as le mec! Allez. Sans accélérer! Bien joué! Tu peux y aller, Tom? Ouais, vas-y. Fais gaffe les épaules dans l'axe de la pente, épaule à gauche. Ça peut être bien ça, non? Allez. Belle balle. Top. Merci. Putain, et quand on drivera bien, Tom. Ah, pas mal. Stop, zip, zip. Mais non, ça va le faire, ça. Oh, c'est beau. Oui. Bien joué, ça. Yes, merci. Ah, et ça fait birdie. Tu peux enlever le mât, s'il te plaît. Ça fait birdie en brut, là.
qui gueule en net. Ouais. Merci à qui? Là, c'est le petit combo TP5 LTDX, tu vois. C'est l'instant promo. Instant promo de la vidéo. Allez. Oh, comment c'est? Allez. Ah. Ouais, bravo les gars. Super. Bah, bien joué Tom, bien joué les gars. Yes. Et super drive. Merci hein. Ouais, super drive. Merci le massacreur. Attention, il y a un bruit. J'étais là-bas hier et c'est compliqué de l'avoir. Il a eu plus l'ouverture que toi. Ouais, ouais, c'est faire 5 lui. Reste là. Ah, non, c'est toi, c'est faire 6, Tom. Oh oui. Oh, elle revient un peu. Allez, allez. Ah, allez, restez dedans, dommage. Mais punaise, là. Compression, le. Non, non, t'aurais été à hauteur, je pense. Ouais, t'aurais pitché dans la, peut-être dans la montée, tu serais peut-être revenu, ça aurait été parfait. Mais là, c'est à 1 ou 2 mètres d'avoir le coup parfait, là. Oui. T'es où? À hauteur. À droite du mât. Avec un fer 5? Petit fer 5. Bien joué. Bon, eh bien, bien joué, Thomas. Ah, c'est ça. Ah, d'accord. Ok. Bah, écoute, il nous a montré la ligne. Hein. C'est fait. Hein. Ça, c'est fait. C'est quoi? Allez. Allez. Oh, t'as mis ta vidéo. C'est une balle à droite. Oh, mon Dieu. C'est trop fort. Oh. Jolie poule. Vraiment? Ah, ouais. Ça, hein. Ouais, ça, c'est... Ah oui, oh, très bien. Avec autorité ça. J'ai toujours su. Et ben putt comme ça. Je savais. Voilà. Tu te rappelles de la première compétition? Ma première compétition, j'ai putté comme ça aussi. Je vais reprendre cet alignement là. Je pense que c'est bois 5. Mais Luc, tu te rappelles déjà de derrière, tu avais mis bois 5 et t'étais parfait. Tu te rappelles ou pas? Ah oui. Donc c'est pas besoin du drive. Elle est là, ça va. Joli chatresseur. Allez, vas-y. Elle a pas touché. Elle a pris? Elle a touché, mais elle sera là-bas quoi. Ça sert à rien le drive. Enfin, sauf si tu. Mais j'adore avoir énorme de place derrière. Parce que ça fait des shots là, les amis. Oh, si ça passe. Allez. Quel con! Ça fait plaisir quand même de rejouer avec son frangin là, ça faisait longtemps. Putain, mais regardez sa tête de con. Bien joué! Elle va être belle celle-là en vidéo, je pense. Là, Luc est là-bas donc pas mal. Va la mesurer. S'il y a 160 mètres, c'est pas la peine. Oui, bon. Mais il y aura 160 mètres. Hein. Et en fait, donc lui, il a vraiment une meilleure ouverture et moi là. Donc, pied au-dessus et il y a cette rangée d'arbres et le drapeau est à droite. 135. Ah, 135 quand même. 148 avec le slope. 148 avec. Vent, alors que la balle elle est parfaite quoi, t'imagines? Le vent il est comment? Il est contre en plus. Donc il y a 148 au drapeau. Un petit vent contre, on grippe un peu court. Luc va mettre faire 7, je pense que je vais faire pareil. Allez. Place là-bas. Je pense qu'elle est dessus. Ouais, je l'ai vu, il y a de la place, on va être là-bas. Joli Luc. Oh, ah dommage. Ah, t'auras, je pense, une belle ouverture pour l'approche là. C'est à moi. Me perds pas le seul. Tu sais que. Le seul rêve pic que j'ai et qui date de mes tout débuts. C'est le premier truc qu'on a fait ensemble, Tom. Petite dédicace. Doucement. Doucement. Ouais. Peut-être t'as un coup rendu aussi là. Avant. Ah, dommage. Là on perd des points, on est trop con là. Tom, c'est exactement ce qu'il me fallait pour me remettre dedans après un bogey là. Ça
va ? Très très bien, merci, ouais. Je veux bien une banane, ouais. Je crois qu'il y a ravitaillement sur le parcours. C'est vrai ? Ouais. Oh, génial, j'adore les proms. Il mange, il aime bien les proms. Toi aussi, t'as une banane ? Banane ? Pomme ? Banane, s'il vous plaît. Personne ne veut mes pommes, hein. Je vais vous en prendre une. Ah, c'est allez, bien. J'en prends une aussi. Ah, merci. Petit portrait bien sympathique, pourquoi ? Il y a une petite Hyundai à gagner derrière. C'est peut-être l'occasion de faire un all-in-one, Tom. Oh. Elle n'est pas droite. Dommage. Balle ! Balle ! Balle ! Balle ! Elle revient, elle revient, elle revient. Oui, Tom, incroyable. Au début, je pensais vouloir faire un compteur global, mais ça va être compteur TaylorMade Luc. Trois fois, trois balles. Ah, que trois pour le moment ? Bah ouais, c'est... oui. Non, c'est très mal taffé. Entrée de green à gauche, là. Alors, j'essaie de la faire basse. À quoi, avec le wedge ? Ouais. Faut la faire très basse là. Et de toute façon, faut viser la gauche. Donc vas-y, fais comme tu le sens. Parce que là, en fait, le problème, c'est qu'il y a les petites. Les quoi ? Non, je parle à la caméra, Luc. Nous avons une chaîne YouTube. Avance. Ouf. Ouf. Bravo, super. Ouf. Ouf. Super. Oh là là. Pour la jouer comme ça. Tu vois ce que je veux dire, il fallait un pas rassuré, sinon je la poussais, je faisais deux putts. Non, fais pas. Il faut que ce soit moi qui. Bien joué, Tom. Oh punaise. Ah, c'est de talon ça. Balle. Elle a mis du temps à toucher un truc. Allez, reste. Oh bah le sauveur est là. Allez, on reste dedans. Bien joué, Tom. Hein. Tu nous sauves là. Ouf. Oh, ça roule. Stop. Ouais, c'est beaucoup plus à droite que ça, Luc. Hein. T'as vidé la feuille là ? Non, elle est sortie. Elle est pas sortie sur la feuille. Boîte. Oh. Pas mal ça, hein. Oh oui. T'es fini? Ouais. T'avais un coup rendu, bien joué. Fais pas le con. Non, je l'ai déjà vu rater, il y a deux jours. J'ai vu rater ça. Non, c'est bon, on peut y aller, Daddy. Fin de cette première partie sur le golf. Avec tout ça, avec la volonté de gagner, ben on n'a pas fait de conclusion, donc c'est pour ça que je suis là. On espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas, petit bouton bleu, petit bouton s'abonner et la cloche. Restez connectés pour la suite, parce que va y avoir 2-3 trucs bien sympas dans la prochaine partie. Passez une bonne fin de soirée. Ciao tout le monde !